Bonjour, c'est Kadu et bienvenue sur Kadu Gaming pour l'épisode 6 du Let's Play de Astérix Obélix, Baffel et tous en compagnie de Yut. Coucou. Coucou. Et on se reprend à la fin en fait de l'épisode de l'acte 4, excusez-moi. Donc là on doit être entre l'acte 4 et l'acte 5, je sais pas trop encore s'il reste un épisode ou pas, enfin un épisode, un niveau dans l'acte 4. En l'occurrence c'était Astérix chez les Corses, une vidéo qui a bien duré, qui a été plutôt longue. Et là on sait pas ce qui va se passer. Clairement là je sais pas quel est le nouvel acte qui va arriver. Donc j'imagine une nouvelle BD, une nouvelle aventure, voilà. Astérix, je viens de te voir car un curieux romain tambourine à la porte du village et ne veut pas partir. Légionnaire romain, Ave. Que fais-tu ici, Romain? Partout d'Asis. Je viens de la part de notre champion qui réclame un nouveau défi. Il dit que la dernière fois, il n'était pas bien préparé. Et dit Astérix, on y va. J'aime bien casser du romain avant de casser la croûte. D'accord, Obélix. Cela nous ouvrira l'appétit. Ah, c'est pour ça qu'on a croisé le gars qui courait, là, dans la forêt. Le gars qui courait, je pense, pour les Jeux Olympiques. Voilà. Et là, j'imagine que... On va refaire une course. Voilà, gagné. Tu es prêt? Ouais. Bon, attends, c'est pas moi qui décide. Attention. C'est parti! Ah, j'appuie pas sur le bon bouton. Bah, je le gratte toujours, hein. Ah là là, il faut la branler, on lui faut la branler. Attends, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui déconne ou quoi? Non. C'est moi qui appuie vite. Tu triches! Tu triches! Il a mis le mode turbo! Non! Ah non, t'as vu comment tu m'as doublé? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Oh putain, j'ai mal encore en main! Eh, hey, j'ai un doigt qui est bloqué! Regarde! J'ai la main gauche qui est bloquée! Bon, on va faire l'ellipse, hein! Oh putain, ça fait mal! Oh putain! Mais c'est pas possible, j'étais pas le mage. Alors ne clique pas! Oh, pardon. Les palmes, c'est fait pour nager, pas pour courir. C'est le réflexe musculaire à la suite de la course, en fait. J'appuyais. T'as utilisé la technique du t-shirt, je suis sûr. La technique du t-shirt? Ouais, la ligne du t-shirt, c'est tu mets ton doigt dans ton t-shirt, t'appuies sur le bouton et tu fais droite-gauche. Du coup, c'est un coup sur la touche, un coup à côté, un coup sur la touche, un coup à côté. Et des clics comme ça, tu vois. Non, il y a des techniques dans tous les sens pour ces trucs-là, mais... Pourquoi le t-shirt? Parce qu'en fait, si tu le fais avec tes doigts, en fait, tu risques d'abîmer le plastique et de casser quelque chose avec tes ongles. Avec un t-shirt, c'est mou, ça glisse. Du coup, tu fais mieux droite-gauche, tu vois. Ah mais non, mais ma manette... c'est la classe de la classe des manettes. Bon, bref, c'est pas le sujet. Avançons, donc le centurion qui dit « Gaulois, vous avez bien mérité une récompense, elle vous attend au camp. » Eh bien, allons voir. Obélix, mon ami, je pense que c'est un piège. Bah oui, ça se pue le piège, effectivement. Un piège pour eux, assurément. J'avais justement envie de me faire un petit camp avant le repas. Ah, que je suis content. Il est pas encore arrivé. Alors, ah, ça y est. T'as remarqué que c'est moi qui fais le moins de temps. C'est toi qui as fait le moins de temps. Bah oui, regarde. 28-14, t'as fait 28-15. Non, mais c'est le score. Non, c'est pas le record, c'est le temps. Bah si, parce que regarde. Record 28-15. Oui, mais c'était 28. Ouais, mais non, c'est ça parce qu'il a pris le plus petit de nous deux. Enfin, il a pris le plus gros temps du coup. En temps, regarde, je suis meilleur que toi. Non. Si. T'as fait moins bien. Bon, je sais comment c'est compté. De toute façon, il y a un bug. On n'est pas à un dixième près. On était à un centième, pardon, excuse-moi. On n'était pas collé à ce moment-là. Pour la séance de lutte. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, c'est pas grave. Peut-être des points, peut-être raison. Ça joue un pôle de cul alors, si ça joue un centième sur 28. Ouais, mais j'ai gagné. Garde à l'attaque! Lutte gallo-romaine à Laudanum. Et on est toujours, tu vois, à l'acte 4 hein, au passage. Bah oui? Non, parce que c'est la fin de l'acte 4 en fait, mais on va pouvoir enchaîner. Putain, c'est directement un centurion. D'accord. What? Non, mais sans déconner, on a beaucoup trop de centurions en fait, elle a dit sur le même. Il a pas compris qu'il allait prendre une branlée. En plus, il est tout seul. D'ailleurs, on a été deux. Et là, ils ont mis un tout seul. Ah, par contre, il y a beaucoup de romains par contre. Non, c'est bordel. Non, je te l'ai pas, c'était bien, ils étaient pas qui. Ouais, mais non, mais j'ai de l'autre côté, c'est histoire de changer. Faut changer les goûts un petit peu. L'écran gauche, l'écran droit, t'as eu beaucoup de choses. Je trouve que l'écran gauche, j'ai envie d'avoir un petit peu plus aussi de temps en temps. Ok, bah renvoie tout à droite. Bah, je suis en train de pousser à droite là, Oh putain, j'ai pris un coup. Ah, peut-être que c'est un épisode où il y a que des boss, hein. Enfin un niveau, excuse-moi, je confonds toujours. Niveau boss. Bah, ça va, alors le centurion il a plus de vie là, j'ai pris une branlée. Ah, mais je tape à côté. Et attends, tu m'as vu ou quoi? C'est un mec qui nous a donné le plus gros coup. Putain, le centurion il a pris une bosse. Oui, j'ai vu.
Bon, est-ce qu'on a un peu de vie quand même? Parce que là, j'ai plus cher. Hein. Ouais, moi, c'est pareil, il y a deux pommes par terre, il y a deux pommes par terre. On peut les prendre maintenant si tu veux, parce que là, vu qu'on est à quel point. Ouais, c'est bon. Ah, tiens, non, il y a trois pommes, regarde. Et il y avait deux pommes l'une sur l'autre. Bah, du coup, j'ai pris les deux d'un coup. Et c'est encore un truc ridicule, ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on est passé à ça. Je pense qu'on était après qu'il fixe, c'était ça. Je suis léger tous, hein, voilà, tous à droite. On fonce dans le tas. Ça, c'est la technique en fait, droite. Putain, le bordel qu'il y a. Oh, le massacre que tu fais. Ouais, quand ils sont tous au même endroit, c'est ça qui est bien. Bon, ceci dit, j'ai quand même plus de points que toi. On sait pas comment, mais... Non, mais de les lancer, ça marche bien. J'ai fait plus d'autoroute, je sais pas, j'imagine. Non, mais de les lancer, ça fait beaucoup de... Ça fait beaucoup de score. Oh putain, attends. Ça, c'est des lanciers, ça. J'ai des à gauche. Va taper à gauche. Oh putain. Attends, mais ça déconne, là. Voilà. Putain, mais je me prends qu'on les lance. Voilà. Ah bah là il peut. Là, on a fait des dégâts là. Ouais, là ça fait mal. Oups, ça fait mal. Ouais, ça, ah oui. On est mort. Parce que du même côté, c'est cool. Ouais, ça c'est cool comme combat là. Ouais, c'est facile. C'est cool, ils voient tous se branler dans le coin, on les voit même pas. Ah mais c'est Astérix et Obélix. Il y a des lances. Heureusement que c'est moi qui visais en fait, parce que du coup, sinon t'étais mort. Hein. Voilà, c'est bon. Bah bon, ta vie a pris cher quand même, t'as pris sérieusement cher. Ah, il y a une hache, t'as vu? Une belle hache. Non, c'est bien, il change un peu les décors en fait, de temps en temps, heureusement, parce que c'est vrai que le jeu se ressent quand même beaucoup. Ça va, ça passe. Franchement, au niveau variété, ils ont besoin d'un petit peu plus d'ennemis, mais ça va, disons qu'il y a pire. Tiens, il y a une pomme, oui. Pour toi la pomme. Viens, vous donner la monnaie de votre pièce. Yam. Oh, joli. Tu m'envoies tout à gauche? Ouais, c'est parti, ça arrive. Je suis d'Elise. Il y a des lanciers aussi là. Oh merde! Oh putain, la connerie! J'ai essayé de le choper, il y avait le gigot, j'ai plus le gigot. Putain, je suis désolé. Alors, je sais pas si t'es moi qui t'es le plus mal ou pas, je crois pas. Ouais, c'est pas grave. Bon, ça, t'es pas non plus trop mal. Mais quand même, on chie aussi à mettre ça en plein milieu là du combat là. Non, je crois que c'est bon là, y'a plus de lanciers, c'est bon, il reste un là, on s'en fout. C'est bon, ils sont morts. Non, il reste un, c'est bon, il est mort. Il crie après être mort en général. Ah ouais, il y a beaucoup de monde, t'as vu, hein. Le bordel, quoi. Je suis pas allé jeter les gros. Ouais, attends, je vais manger. Voilà. Où les lances? Et des lanciers à gauche. Ouais, je vais les attention. Je vais les jeter justement. Ouais, jette à droite. Je réceptionne. Ouais, jette tout ce que je peux. Il y en a ça. Voilà. Il n'y a plus personne. On s'en tape. C'est bon, ouais, ça bien. Va oh, on a ça, bien géré. Bien, niveau vie, ça va. Là. Ouais, j'ai évité un paquet de lances là. Ouais, c'est, tu m'étonnes. C'est ça le pire. Ah tiens, encore un jambon, nous. Ouais, on va garder. Ça vaut le coup, vu nos vies, en fait, ça vaut le coup qu'on attende vraiment. Au pire, tu penses en faire exprès, c'est pas grave. C'est l'erreur que j'ai fait tout à l'heure. Comme on est bien. Mais imagine tout seul, en fait. Imagine juste le cauchemar tout seul. Ah ben ouais. Parce que là, les lanciers, clairement, l'astuce, c'est d'être chacun d'un côté et de se l'envoyer. Oh putain. Non mais là c'est le cauchemar là, putain. Tout ce qu'ils ont envoyé. Ah tu vois, c'est peut-être pour ça que là faut se méfier de savoir qui c'est qui prend le jambon en bas. Alors non, j'ai foncé dedans. Hein. On est kiff là, niveau vie, je suis peut-être légèrement plus bas. Ouais, j'ai pas le réflexe de foncer comme ça. Ouais, moi j'arrête pas de foncer, tu vois, si j'avais pas ce coup là. Putain. On doit bien se compléter, je pense, j'imagine. Ah, c'est moi qui fais le plus de dégâts là. Donc, si je prends le gigot, je le prendrai, mais sauf que là je vois plus le gigot. Si, il est là. Ouais. Et on va attendre encore une fois parce que un petit peu pour être sûr de bien être bas, tant qu'à faire. Putain, j'ai encore pris un coup, donc la fouche au printemps. Bah, ça a mis à fond, mais j'ai pas dû perdre beaucoup. Quand je jette les en main, voilà. Bah, quand je fonce dans le tas aussi, je pense que ça fait du dégât, juste. Hein. Ouais.
qu'on fait ça. Ils ont pas le temps. Oh les baffes. C'est bon. Ça va. Cornelurus. Ah. Ah, ah. Bah, j'ai commencé à lui mettre des coups, moi. Un nouveau boss. Ouais, mais là il va prendre une branlée. Alors peut-être qu'il a un coup, tu sais, quand il tombe, un truc comme ça, là, je sais pas. T'as vu, il se protège bien. Ouais, oh. Puis là, faut le fouler, ouais, c'est un athlète. Bah, en fait, un de chaque côté. Tu vois, comme ça, il peut mais pas se protéger. Tombe... Bah, quand il tape, en fait, tu vois, il faut de l'autre côté. Oh putain, je prends un coup, je vais prendre un coup. Non, c'est bon. Quand tu bourres dedans, j'ai l'impression en fait qu'il peut rien faire. Tu vois. Ouais. Il va. Ouais, tu vois, là, tu vois, il y a eu plein de coups qu'on volait en même temps, et il a pris que la moitié. Enfin, je crois. Parce que ça a moitié vibré, là, comme s'il s'est protégé. Oh putain. Ah, il m'arrête. Eh, ta vie. Oh, ta vie, reste derrière. Ouais, j'avoue. Je lui mets des coups, c'est bon, il prend très très cher, là. Voilà, c'est bon, hein, ça. Ouais, là, regarde, fais que ça. Je sais, tu t'arrêtes pas. Ah, il est où là? Ah, il a plus de vie là. Ah, je crois qu'il est mort là. Ouais, allez, il sort les fûts, c'est bon, nickel. C'est bon là, la laté. Ah, il était un petit peu chiant, mais ça se fait en fait. C'est juste que toi, t'es très très mal, fais gaffe. Fais gaffe à ta vie. Hey. Adieu! Voilà! Il est parti. Alors, tu t'es vaincu par toute la tisse? Ou est-ce qu'on te met encore une grosse branlée? Je suis amiable. Dis Astérix, ces exercices m'ont donné faim. On rentre? Tu as raison, Bélix. Ils doivent nous attendre au village. Un minable. Et ça, c'est clairement une interlude en fait avant le prochain acte. Hein. Mm. Et j'ai l'impression que nos scores ils augmentent à chaque fois. Hein. C'est pas une impression, c'est sûr. Des irréductibles reçoit la visite d'un étrange étranger. Étrange étranger. Mmh, un étrange étranger. Mmh. Oh. Astérisme. Astérix Obélix, je vous présente numéro bis, mon ami venu d'Égypte. Là, on peut rigoler avec celui-là. Je suis, mon cher ami, très heureux de te voir. Ça sent l'Alexandrin. C'est un Alexandrin. T'es vrai. Ah, t'as vu. Je connaissais celui-là. Oui. Pourquoi avoir fait un si long voyage pour venir ici, numéro bis? Astérix, mais... Je dois construire un palais pour César dans un délai de 3 mois. Faute de quoi, Cléopâtre va me jeter au crocodile. Et un peu de sucre en poudre. Non. C'est dans celui-là qu'ils font ça. Oui, c'est dans celui-là. Elle m'a l'air bien sévère, cette Cléopâtre. Ma reine a fait un pari avec César. Nous devons lui montrer que notre peuple est toujours capable de bâtir de grands ouvrages. Je sais que tu es capable de prodiges, pas dans un mix. Justement, je voulais aller consulter quelques manuscrits de la bibliothèque d'Alexandrie. Merci, par Osiris. Mon navire vous attend sur la côte, mais notre vigie a aperçu des pirates non loin d'ici. Ah, c'est des amis. Ça, on s'en occupe, pas vrai, Obélix? Oh oui! Allez, petit niveau avec les. Acte 5. C'est évident. C'est parti, on lance. Astérix et Cléopâtre. Y'a pas Obélix, t'as vu, y'a que Astérix ce soir-là. Nos Gaulois croisent à nouveau la route de Barbe Rouge et son équipage. Tiens donc! Encore une fois, ça sent le boss! Ça sent le boss encore! Et Barbe Rouge, c'est le pire. Imagine, y'a deux Barbe Rouge, on fait quoi? Ah non, y'a qu'un seul Barbe Rouge. Bah imagine, il y en a deux et il y en a deux en même temps. Ouais, mais non, c'est pas possible. Tiens, il y a J.O. dès le début. Ça c'est pas bon signe. Oh, que c'est pas bon signe. Attends, faut taper dans le bas pour faire tomber l'autre là. Ouais, bah vas-y, tape dans le bas. Bah, attends, on va taper dedans naturellement. À force de balancer des mecs sur le dessus, c'est évident qu'à un moment ça va tomber. Oh putain, je prends des coups là. Il y a beaucoup de personnes, regarde ça. Ouais, J.O., tiens, il vient de tomber. Alors, moi, ma vie est en train de descendre. Je vois bien qu'elle descend. C'est n'importe quoi, on ne voit rien. Donc tu as plus le jeu avant, c'est fait bon, on voit quelque chose. J'ai pas mangé maintenant pour les viewers, parce que... on sait jamais que je perds encore un peu de vie déjà, puis on sait jamais que Boop descend plus bas que moi. Non, non, c'est pas dit ça. Voilà, c'est tout ça. Alors moi je peux pas trop les jeter, parce que pourquoi déjà, parce qu'il y a pas trop de petits. Et en plus il y a le Mac qui m'empêche de les jeter. Je l'ai fait quand même, mais... Après, je crois que la mécanique de combat d'Obélix, c'est super dangereux parce que quand il tape, il avance. Et du coup, tu te retrouves avec les ennemis dans le dos. Ouais, ou dessus, sur toi en fait. C'est encore pire sur toi, parce que dans le dos, tu peux te retourner. Sur toi, t'as beau te retourner, ça fait rien. Voilà. Je crois que c'est bon là, hein. Je crois qu'on les a bien latés.
C'est bien parce que le bateau, tu vois, il est pas modélisé, il est pas super large. Ce que je disais, il y a pas 10 mâts comme dans certains niveaux où j'ai vu des niveaux comme ça. Oui. Ils mettaient 10 mâts parce qu'en fait, t'avances. En fait, bah, ils veulent garder leur niveau, donc du coup, ils te mettent un mât avec 10 mâts. Enfin, un mât, un bateau avec 10 mâts. Alors, moi, après, chinois. Ouais, prends le chinois là, il est super bien mettre ça. On n'a rien contre les chinois, hein. C'est juste que dans le jeu, il est balèze. Ouais. Là, je prends moins de dégâts, tu vois, j'ai fait beaucoup de dégâts tout à l'heure. Là, j'en prends beaucoup moins. Et bon, chinois, HS. Sushi. C'est raciste, ça, non? Ouais. T'aurais pu dire Nem, il y a pire. Ouais, d'ailleurs, c'est plus Nem que Sushi. Ah oui, c'est pour ça que je dis ça. Et tu vois, j'ai même pas pris, tu vois, gigot encore. Deux tiers, trois quarts, là. Ouais, on s'en sort pas trop mal en vrai. Enfin, j'ai pas encore été touché en vrai. Attends, je sais pas beaucoup de coups, je ne jette pas. Je touche du con, mais j'ai pas été touché encore. J'essaie de latter avec mon coup spécial, hein. Spécial pardon, excuse-moi. Je peux plus se projeter, il y a beaucoup trop de gros en fait. On fait des allers-retours, c'est important de faire des allers-retours. Ouais. Voilà, c'est bon, notre vie va bien. C'est bon, tout va bien. Je vais prendre le JO, enfin encore que. Ouais. Bon, on peut attendre, un jeu. Hein. On peut attendre un peu, je suis même pas à la moitié. Attends, on sait jamais qu'il prend plus de dégâts que moi. Faut l'enchaîner. Oui, parce hein. qu'avec lui. Tiens, j'ai déjà pris un coup, tu vois, regarde ça. Attention, allez. Ouais, je sais, j'ai prendre un coup là. Je vais prendre le JO. On va prendre le risque. Ah non, putain, il m'a mis des coups. Il attaque en plus. Ouais, il attaque énormément là. Il se protège, il est plus fort. Il est beaucoup plus fort là. Attends, il ouais, c'est bon. Il y a deux chinois en plus, hein. D'accord. Attention, il a soulevé. Oh putain, t'as de la chance de rien avoir pris là, je sais pas comment t'as fait, mais fais gaffe, il a soulevé. J'ai envie de prendre un coup aussi, fais gaffe. Putain, j'ai pris un seul coup. Ah, ça va, il en est où là? Oh putain, la vache, j'ai encore pris des coups. Faut l'enchaîner, faut pas attendre. Oh, t'as vu ce que je lui fais là? Oh, je lui mets des coups de Street Fighter. Ouais, enchaîne, vas-y, là, fais gaffe, il y a des chinois. Ouais, on est ta vie, fais gaffe à ta vie. Hein. D'accord, c'est bon. Ah mince! Là, il était mis à coup là. Là, faut les fêter dessus en fait, faut qu'on l'enchaîne, tu vois, pour être sûr qu'il se relève pas. Quand il nous fait ça, tu vois, c'est pas bon signe ça. Allez, faut qu'il enchaîne là, tu vois, voilà. Enchaîne! Voilà. Voilà, donc j'ai fait super coup aussi moi, voilà. Voilà, c'est bon, là, on l'a pas soutenu, faut continuer. Oh putain, il nous a mis un coup là. Là, je peux rien faire là. Attention! Ah! Ça, c'était chaud là. Attention, je sors. Il y a des chinois, il y a tout le monde là, derrière. Putain, je sais pas qui a pris des coups là. C'est au début. Et terminé. Oh, on l'a tué. Alors, ma fille, tiens aussi. Le chinois. Il y a le chinois, attention, le chinois. C'est bon, le chinois, il est assommé. Il y en a un de droite, à gauche, pardon. Ah, c'est bon, nickel. Allez, vas-y, on fonce dans le tas. C'est bon, nickel. Il y en a un qui est mort, il y en a un, j'ai entendu un cri de. Ah ouais, mais c'est pas un gros. C'est bon, je vais entendre la. On est en train de. On fonce pour les. C'est bon. Oui. Putain, yes. C'était chaud. Qu'est-ce que c'était ça, chaud. C'était cool. 350 hits, j'ai vu sur mon personnage. Faudrait que je fasse un retour arrière. J'ai vu 350 hits. Bon, alors, mais peut-être que j'ai rêvé, c'était 35. C'est déjà moins glorieux, 35, vraiment. 35. Bon, ouais. Là, c'était chaud, hein. Putain, qu'est-ce que c'était chaud. Ah, j'aurais pas voulu le refaire, ouais, en fait. Ouais. J'aurais pas voulu le refaire, celui-là. Ah non, là, il y avait un crash, on arrêtait le let's play, hein. Non, exagère pas non plus, oh, vieux, non, oh. Bon, alors. Nos amis arrivent à l'Alexandrie où les sirènes chantent encore la même mélodie. Les sirènes. C'est ça, en fait, hein, dont il parle. Ouais. Claudie Franco. Numéro 10. Voici le chantier. J'ai fait venir des pierres de bonne qualité des carrières à l'intérieur, de l'intérieur du pays. C'est beau. Waf. Venez, je vais vous faire la visite. Oh non, les Romains sont déjà là. Ils sont venus pour empêcher la construction de mon palais. Ça, on s'en occupe. Pas vrai, Obélix? Bon, enfin, c'est une belle branlée. Hein. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Je me rappelle aussi de ça. Oh putain, il y a des archers. Pas des archers, pas des lanciers. Pas des archers. Ah oui, des archers, tu m'aurais. Ah, c'est nouveau ça. Putain, et on a pris un coup là. Ah, les lances. Il n'y a pas vu les lances. Non, ça. Il y a du bordel, il y avait des lances là. C'est pour ça qu'on a pris cher. Lance à droite. Derrière. Il y a plus de lances là. C'est bon. Ouais. Bon, ça va, on a pris un tout petit peu, ça va. Tu vois, on a pris une lance chacun.
Putain, y'a un égyptien. Salut toi. Coucou toi, comme diraient certains. Coucou toi. Ah oui, faut se projeter. C'est bon, c'est juste. Oh, c'est sympa. C'est bon. Ils ont la même tête. Ils sont vraiment bien modélisés. Apparemment, c'était fait à la main, les dessins, au passage. Ouais, bah c'est normal. Oui, enfin, tu vas me dire, oui, c'est vrai qu'on va avoir du mal à les faire. Enfin, encore que je sais pas, avec une IA, c'est possible que ça se fasse. Oh, y'a un gigot. Ouais, bah ouais, mais bon. Bah, prends-le, ouais. Je l'ai mangé, j'avais une petite faim. Il était midi 12. T'as raison, t'as raison. Oh, tiens, une ouais, pomme tiens, aussi. Tiens, mange la pomme, toi. Là, on fait du gaspillage encore, là. Bah oui, je sais bien, c'est. Surtout que là, vu le peu d'ennemis qu'on a eu, un gigot, c'est abusé, quoi. Ou alors, en mode difficile, peut-être que tu reprends pas ta vie entre deux levels. C'est peut-être pour ça. On sait pas. Oh non, non, là, c'est pas possible. Ah non, c'était le bon short, arrête tes conneries. Sous cette chaleur. Bah, c'est le mode difficile, hein. Ouais, enfin, quand même. Voilà, y a plus de balades que d'ennemis, là. Alors, ça vient, oui. Ouais, ça sent le cul, cette histoire-là. Ah oui, tu vois, fallait aller à gauche, à droite, pardon. Mais là, c'est bonus. Et il y a beaucoup trop d'éléments de décor en fait devant. Putain, c'est. Ouais. Ah, lancier. Ah, c'est bon. Je lance le lancier. Et c'est parti. On voit rien, tu vois, parce qu'ils ont mis le décor devant, ces abrutis là. Le nombre de clac-clac-bang qu'il y a au milieu là. Ouais, schlac-bang, ouille. Paf, paf. Un magazine porno des années 80. Non, t'exagères. Attends. Ça va, ça va. Bah tiens. Bah vas-y pour moi. Astérix, soit je perds l'équilibre, soit ce palais n'est pas très droit. N'empêche que ça stresse un peu quand même. Le niveau dernier là, il m'a stressé, là, il m'a réveillé là. Putain, faut descendre la marche, hein, ça. Oh! C'est ça? Oh l'arnaque! Ouais, c'est un peu abusé, ouais. Attends, après on a un escalier après, t'inquiète. Ouais. Oh merde. On sait jamais qu'il y a un truc dedans. Tiens, regarde ça! C'est bizarre qu'on en ait autant. Et c'est pas aléatoire pour les vieux, hein. Pour ceux qui se posent la question, ça nous est déjà arrivé de refaire des niveaux et clairement dedans on trouve les mêmes choses. Il y a énormément de parcours en fait pour rien en fait. Ils ont voulu changer, tu vois, mais le problème c'est que ça sert à rien. Il y a trop de molaires aussi. Fais gaffe parce que les molaires ça peut piquer aussi. Ouais. T'envoies à droite ? Les canines ça pique en fait. Les molaires ça va, mais. Ouais, les canines ça. Bah ça mord. Ça pique. Attends. Ah. Là il y a des apôtis là. Voilà. Oh joli ! Ce qui est bien avec les lanciers justement, c'est que comme ils sont plus grands, ils en fouchent plus au passage. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression. Ils sont aérodynamiques. Non, c'est pas aérodynamique, ils sont plus grands. Ah si, plus grands. Plus de surface. Bah c'est pas aérodynamique. Ah ouais. Ah non. Une pomme, tiens. Bah va dire ça aux avions, tiens. Heureusement qu'il y a plus de surface au-dessus qu'en dessous. Sinon ça volerait pas. Je me demande combien coûte un tel chantier. Et ouais. Alors, faut savoir qu'un avion qui décolle... Alors, un avion... oui, même un avion. Il a des ailes qui sont arrondies. Au cas où tu sais pas, c'est autant au-dessus qu'en dessous. La surface ? Ah bah non. Oui. Si. Non. Non, la portante, je te parle. Pour que ça crée une dépression au-dessus, oui. Ce qu'on dit portance, en fait, c'est pas portée, oui. C'est une dépression au-dessus, et ben ouais. Il faut que l'air parcourt plus... Non, qu'il parcourt plus de chemin au-dessus. C'est pour ça que ça crée une dépression. C'est les deux, en fait. Mais par contre, je pas le rapport toujours avec la taille du personnage, hein. Passage, hein. Ah, c'était une espèce de comparaison. T'étais complètement faux, mais ce que je te dis pour l'avion, c'est complètement juste. Ce qui est sûr, c'est que. Tiens, bah encore un. Pour moi, tu vois. Oh, fais des sûr, points. C'est qu'Obélix, il a plus de portance tout court. Pas dans l'air. Sur la balance. Ouais. Mais il flotte. Non, je me. Aussi, oui, normalement, si. Le gras, ça flotte. Non mais c'est le même principe hein, la surface par rapport à la masse. Alors c'est pas une surface, là c'est vraiment un volume. Théorème d'Archimède, donc là c'est un volume. Oui.
Il y a autant de force exercée par le dessus que par le dessous. Pour qu'il reste en équilibre en surface. Ou alors moins. Mais comme on arrive à la fin de l'eau. Ah oui, putain, oui, non, si. Oui, ça vient, mais... oui. Oui, parce qu'arriver au-dessus de l'eau, de toute façon, tu vas pas t'envoler. C'est énorme. Ce qu'il y a au-dessus, c'est énorme. En comparaison de ce qu'il y a dans l'eau, donc du coup, ça, c'est... Voilà. Dès que t'es au-dessus, en fait, automatiquement, c'est recalé. Bon, bref, c'est un équilibre, quoi. Le lancier là, il est. Ah, c'est bon. C'est pour toi le gigot, tiens. Ouais. Ouais, j'ai pris cher cette fois. Il voulait pas faire ce que je voulais, le lancier. Bah, très souvent, moi, ça m'arrive aussi que le jeu ne veut pas faire ce que je veux. J'adore parce que le premier coup, t'as l'impression, tu sais, que c'est un chien dans un jeu de quilles. Ouais, c'est jackpot, hein. Je pense que c'est fait pour. Hein. C'est fait pour le. C'est comment le. Le spectacle. Non, pas pour le spectacle, comment ça s'appelle? La détente. Pas la détente, c'est. Ah, le. Défouloir. Défouloir, c'est ça. Dans le sens défouloir. Ah! Tu les vois, ils sont tous bien rangés, tu sais, là. T'as envie de les casser, tu vois? Oui! Attends, toi, là. Tu vois, toi, t'es. Toi, je peux te prendre. Ouais, nickel. Yeah, merci! Putain, je fais que ça. Il y en a un, il était en train de voler, je l'ai éclaté. Ça va, il n'y a pas de lancier. Il y a pas mal de gros, hein. C'est pour ça que là, ça traîne. Ah, lancier à droite. À droite ou à gauche? Bah maintenant, à gauche. Je vais lancer. Ah, je sais pas où c'est qu'ils sont, moi je vois rien. Ce qui m'embête, c'est qu'on voit pas trop la vie des personnages. Enfin, ça m'embête. Ça m'embête pas, parce que c'est plus joli. Mais c'est vrai que c'est perturbant. Tu vois, on sait pas s'il va se relever ou pas, en fait. Ah bah c'est bon, c'est fini. Ça fait. Terminé. Les risques du métier. Oui. Les risques du métier d'Égyptien. Pousser l'attaque des Romains. Nos Gaulois ont vent d'une nouvelle mauvaise nouvelle. Bah ouais, y en a un qui était malade au palais. Non, c'est pas oui, ça. Oui, c'est produit le palais. Y a plus de pierre. Ah, va falloir en chercher d'autres. Je crois qu'il ment. Je peux les faire parler. Dis, je peux. Bon. Mais il y a pas trop fort. Il dit qu'il était payé pour jeter les pierres dans le Nil, qu'il y a encore des pierres dans la carrière, des tas de pierres, qu'il veut bien aller en chercher. Et que si vous tapiez moins fort, s'il vous plaît, et jure par Isis, Osiris et Serapis qu'il ne recommencerait plus. Qu'il ne recommencera plus. Pour plus de sûreté, nous irons chercher les pierres avec lui. Oui, mais faites vite, le temps presse. Ben, c'est parti, allons-y. C'est parti. Allons chercher les pierres, Astérix. Astérisme. Astérix, mais... Oh. Venez ici, petit petit. Il y a des Romains partout, quand même. Comme par hasard. Ouais. Ouais, c'était territoire occupé, hein. C'est vrai. J'ai évité celui de commencer. Ils sont vachement tendres, ouais. Ouais. Ouais, je te dis. Ça doit être leur nouveau casque. Ils volent bien. C'est plus aérodynamique, du coup, ouais, ils partent moins à droite et à gauche, j'ai l'impression. Ouais, ils visent mieux. Oui, c'est vrai, c'est plus facile. Plus facile à viser avec, ouais. C'est ça qu'ils mettent des plumes, c'est pour garder le cap comme des fléchettes. Aïe! T'as pris un coup là? Ouais. J'étais en train de m'amuser. Et lui là, il y a encore le mec là qui voit pas avec son casque là. Il a pris une toujours main. Le même. Il en a pas marre de se faire racler. Il y a le bateau qui suit derrière, t'as vu, c'est bien fait hein. Dans la BD, normalement, c'est Astérix qui... c'est Obélix, par exemple, qui tire les bateaux. Oui. Et le bateau, si on s'arrête, il s'arrête? Je sais pas, peut-être qu'il passe et qu'il y en a un autre qui arrive, j'imagine. Ce serait sympa c'est qu'il aille à la même vitesse que nous. Bah, il ralentit, hein. Il ralentit. Il y a des lanciers, pour un coup. Ouais. Tu prends à droite, je prends à gauche... tu prends à gauche, je prends à droite. Bah non, il y a plus personne, qu'est-ce que tu fais? Bah oui, non, mais je sais bien, mais ah, je t'en jette d'autres, là. Là, là. Oh, un... oh putain, il y a un lancier qui fait un nouveau coup. Il a fait un nouveau coup, il a fait une espèce de truc chinois, là. Il balance son... sa lance à droite ouais, à gauche. Ouais, non, mais c'est... bah c'est pas nouveau, il l'a déjà fait. Ah bon? Ouais. J'ai pas encore vu ça. Merde, j'ai pas lancé du bon côté. Faudrait qu'on change aussi de personnage, j'en ai dit qu'on changerait à l'acte 5. On changera pour le dernier niveau, pour le dernier acte, les cures. On va essayer de se rappeler.
à essayer. Oui, en plus, tu préfères Obélix, c'est vrai. Ouais, moi aussi. Ouais. Ouais, non, enfin, non, tu préfères Obélix. Toi, tu préfères Asterix. Perso, les deux me vont bien. Attends, c'était quoi bah, ça? Bah, maintenant, je t'avoue que je suis habitué. Tiens, bah, c'est pour toi, ça. Ouais. Maintenant que je suis habitué avec Asterix, j'avoue que j'ai pris un peu d'habitude. Ouais, parce que je suis habitué à les jeter et les faire tourner au-dessus de la tête. Salut, des lions maintenant, c'est nouveau ça. Oui. Putain, ils prennent une grosse mec. Ils sont excellents par contre, les lions. T'as vu la tronche qu'ils ont? Ouais. Aïe! Ah, tu l'as pété des dents, je crois. Putain, lui aussi, il avait beaucoup de molaires. Putain, la gueule qu'il fait. Ah, j'adore. Non, franchement, les expressions, tout ça. Les dessins, y'a rien à dire. Niveau graphisme, c'est le top. Ah. T'as plus de stam. C'est ça. Je le jette. Parce que je suis mort, il est plus loin de mon côté. L'ancien qui vient de ton côté. Ouais, et... il est plus là. Aussi. Ah, c'est bien plus l'ancien, il n'y a plus personne. Ouais, ça va, c'était. T'as pris Jean Bonneau au fait ou pas? Quel Jean Bonneau? Oui. Ok, ça m'a fait peur. Ah, je sais plus quand, c'est peut-être pas tout. Tiens, ah, ça, va, pour toi. Ah, mais t'as pas. Ah, j'aurais peut-être dû attendre. Ouais, 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 complètement. C'est pas grave. Tu vas pas faire de vie. Oh, c'est pas la peine, regarde. Non. Ah, lancier. J'ai pas eu le temps de l'arrêter, attends. Il en a lancé une. Mais je comprends pas, une fois qu'il a lancé sa lance, il aurait pu pouvoir en lancer. Ouais, mais il en avait d'autres dans son chapeau. Ah. Ah, c'est les nouveaux casques. C'est... Non, 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 en fait, c'est le t-shirt. C'est vrai qu'il est grand. Il a caché des lances dedans. Voilà. Moi je joue ça c'est le finish him à la Mortal Kombat quand même le jeu. Finish him. Et là c'est tout décapite le légionnaire. Ah oui mais là ce serait plus tout public là. Non c'est vrai. C'est vrai que ça reste toujours bon enfant, hein. C'est vrai que c'est toujours marron, toujours comique, toujours. Tu vois le bateau il nous suit hein. Oh, j'ai failli me prendre une lance. Et envoie-moi tout ça. Des baffes. Tout ce qu'il faut. En fait le problème c'est qu'il y a des pièces. Des baffes, des bing bang boom, tout ça avec les points, les pièces et les. Voilà, c'est pas beaucoup quoi. Là, plus tous les ennemis, plus qu'il y a en même temps, forcément. Alors, je sais pas, le mec a l'idée de dire tiens, on va faire un truc avec des baffes, c'est marrant. Oh, putain, j'ai pris un coup de boule là, putain, j'ai mis le bon, les là. Ouais, je crois que j'ai pris un coup aussi, un peu pas cool. Bah, je sais pas, j'ai pris un double coup en fait, j'ai l'impression. En fait, il y a beaucoup de gros, je sais pas si tu vois là, mais il y en a énormément là. Ouais, ouais, bah 3. Oh, mais... oh putain, j'ai encore pris un coup là. J'ai remis un coup de boule, regarde la vie que j'ai. Ouais. T'as vu le coup que je lui ai mis? Petit coup de pied en l'air là. Mais bah là, il faut terminer, putain, je prends un coup, je suis capable de mourir. Je peux pas toc. Ah, quand même. Ah, bing. Bon, il faudrait un peu de bouffe là, parce que là, pour moi, c'est pas terrible, terrible là. Tiens, regarde ça, juste. Eh ben non. Eh ben non. Ah, peut-être. Ah. Là, par contre, il fallait bah, que je tiens. Et encore, il y a un lancier. Ouais, j'en ai un. Il y a un autre caille, là, il y a un bordel là. Là, je jette de tous les sens. Je jette à droite et à gauche. Un coup sur deux. Et par contre, il y a des gros, et des balèzes, des cochons. Ouais, j'essaye de tout ramener. Strike. Bon, le strike. Je suis sûr que le trophée, c'est genre taper 10 personnes à la fois en même temps. Non, pour le strike, non, ouais. Je crois que c'est lancé sur plus de X ennemis. Ouais, bah, ce que j'ai, plus X à la fois, quoi. Je voulais regarder hier quand on a fait le success strike. Et t'as pas vu, en fait. Non. Mais j'ai pas pensé. Oh, c'est pas grave. Oh, mais y'a un lion là au milieu. Ouais, c'est ça. Mais bouffe les Romains. Ils ont une viande tendre, ils ont des bottes. Ah non, justement. Ah non, c'est des sandales. Mais ils sont en armure. Ah tiens, j'ai un sacré pain. Ok, j'ai eu peur que c'est crash. En effet, elle est encore remplie de pierres cette carrière, et je m'y connais, c'est mon métier. Je le savais, il faut jamais croire à une fin de carrière. Ouais, super. Ils vont embarquer les pierres, ça prendra quelques heures. Profitez-en pour visiter nos belles structures. Et c'est... Construction, pardon. Et c'est là qu'ils vont rencontrer le potignal l'arsenic. comment il s'appelle? À mon beau-fils. Oui. Et le pion, c'est comment? Ah, je savais bien que ce serait bon. C'est à mon beau-fils, c'est. Oh putain, j'ai oublié. Je pense qu'on va les voir. J'espère qu'on va les voir en fait.
Je veux dire, Astérix et Cléopâtre sans eux, c'est pas la peine. Admirez l'eau de ces pyramides, 20 siècles nous contemplent. Ah, tournevis. Ah, tournevis. Serez-vous intéressé pour visiter l'intérieur des pyramides? Tiens, je croyais qu'il était impossible de pénétrer dans ce tombeau. Ces tombeaux sera votre tombeau. Des pirates y sont déjà entrés, très peu en sont sortis. Mais bien entendu, de si nobles visiteurs peuvent me faire confiance. Bah voyons, avec la tête que t'as. Eh bien, nous acceptons avec joie. Surtout dans cette posture, tu sais. Bah, ça se voit. Il y fixe, ce n'est pas pour les petits chiens là-dedans. Alors, attends-nous là, si tu es sage, tu auras un bel os. Waf. Waf. Oh putain, c'est génial. Génial. Ah, excellent. C'est parfait ça. Ah, directement. Oh bah d'accord. Vous ne sortirez jamais d'ici, étranger. Ce tombeau sera votre tombeau. Quoi? On dit Chaco. Il s'est enfui, nous laissons ici. Apparemment, les Romains ne sont pas les seuls à être contre la construction du palais. Tout ça ne serait pas arrivé dans un menhir, je confirme. Alors, trouvons un moyen de nous échapper. Et là, il y a Edifix qui va revenir. Putain, ils ont fait un niveau, en fait. Il y a des momies, quand même. Non, il y a des Romains. Non, là, vous déconnez. Non, là, vous déconnez. Il n'y avait pas ça, normalement, dans la BD. J'ai l'impression qu'on se bat en fait l'un contre l'autre et qu'on s'envoie des Romains. Et vraiment, ça change un peu le décor, effectivement, je trouve ça très sympa. Par contre, là, ouais, là, impeccable. Y a pas de. Y a pas de gauche-droite, là. Impeccable. Tu mets une baffe, ça met des baffes. Obélix, qu'on ne me parle plus jamais de pyramide. Ah bah tiens. Alors. Non, pas de vie. Je pense pas. Normalement, il n'y a pas de Romains en fait dans la pyramide, c'est ça qui est un peu gênant là. Pourquoi ils ont fait ça? Ils avaient passé de niveau pour compléter le truc hein. Moi je pense qu'il faut juste dire que ce jeu c'est un beat'em all dans l'univers Astérix Obélix, mais que c'est pas un Astérix et Obélix. Bah c'est ça. Enfin non, parce qu'il y a quand même une histoire, attends, l'histoire est quand même bien. Non, moi j'ai rien à dire avec ça en fait, on en parlera peut-être à la fin de ce display. Qu'on aura fini peut-être. C'est sympa, c'est un défouloir, c'est sympa. Au final, la durée de vie, j'ai l'impression qu'en fait, elle est relativement courte. Mais en fait, on faudrait pas qu'il y ait plus long non plus. Ouais, parce que là, en fait, je jette tout à l'heure, tu vois. Enfin, quand je jette tout, on prend des dégâts. Oui. Bah ouais, jette. Qu'est-ce que tu fais? Ah, mais on est dans une pyramide, on jette pas les Romains dans une pyramide. Ah bon? Et c'est quelle loi ça? Ah, j'ai encore POC. Deux coups, j'ai pris là. À suivre. Et là on s'en tourne. Oui. Ça va être bien. En fait ça s'arrête jamais parce qu'il y en a un ou deux qui arrivent toutes les 10-20 secondes. Ouais, c'est ce que je me disais, j'ai l'impression qu'ils diminuent pas. Je confie, là. Il diminue pas. Terminé. On mange. Le jambon, il est pour moi. Au plein milieu de la pyramide, sans déconner. Je suis pressé. Ça fait une méga, ça. Une espèce de pirouette au-dessus de la tête. Ça, tu peux pas faire ça, toi. Par contre, tu peux faire droite-gauche. Ouais. C'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est équivalent. Pourquoi t'as pris un coup, là? C'est un coup de boule. T'es jeté. Balèze aussi, impressionnant. C'est difficile à prendre. Là, il y a tout en fait. Là, il y a tout. Il y a tout mélangé. Il y avait aussi un lancier. Et tout seul, franchement, c'est pas possible. C'est le bordel, quoi. D'un endroit aussi petit que c'est vraiment le bordel. J'avoue. Ce que j'aimerais bien, tu vois, c'est que plus tu leur donnes des coups, plus ils prennent des bandages. Ils ont des bleus, etc. Tu vois, ils ont des yeux blancs noirs. Ça serait marrant, ça. Tu vois, ils sont toujours intacts, en fait, si on regarde. C'est vrai. Allez, oh, putain. J'ai évité celle-là. Ça fait m'avoir, hein. Oui. Bon, toi, ta vie, par contre, là, ça va pas, là. Rien ne va plus, là. Rien ne va plus, ah, bah, là, j'ai vu que là-dedans... Il y a des choses là. Alors, rien. Il y a rien. Putain. Dans le dernier, eh ben. Eh ben non. Il y a vraiment tous les bonus, tous les points. De l'argent, de l'argent, de l'argent. On n'est pas très loin là de l'auteur.
c'est le principe d'un labyrinthe, mais non. Alors c'est pas vraiment un labyrinthe là, j'ai plus l'impression en fait que c'est normalement il y a Panoramix avec nous. Oui. OB. Pano. Il y a ça aussi, mais c'est vrai. Tiens, bah, tiens, il est tout... mais attends un peu avant de prendre le gigot. Attends, on va prendre une bonne branlée avant, tiens moi, ça va faire des coups gras. Tu mangeras quand tu te seras pris une branlée. Allez, va dans les rues, gamin. J'essaie de pas le manger par contre, je fais gaffe aussi. Je vais rester plutôt à gauche pour être sûr de pas le manger. Vas-y. Tiens, toi, là. Envoie du monde à gauche. Putain, il y a du monde là. Voilà. C'est un coup spécial quand même pour longtemps. Tiens, un lancier, il a réussi bien. T'as vu le mec, le lancier de merde, quoi. Il se décale bien, tu sais, c'est pour bien te latter la gueule. Excusez-moi la vulgarité, mais c'est ça en fait. Tu vois, il s'éloigne, c'est un petit pêche assis en arrière là. Ouais, le petit. On est allé par là, toi. Ouais. Il y a un mec qui revient, tu vois, on continue en fait. Je me demande s'il y avoir un boss sur Tyrion là-dedans. Hein. Ah, par contre, le jambon, je pense que tu peux le prendre là, ça te fera du ta vie. Ouais, j'avoue. Comme ça, je pourrais y aller tranquillement à droite parce que sinon, là, je sais pas trop là, si je peux y aller ou pas. Oh, c'était drôle de te voir tout en gauche. Bah, j'étais collé à gauche, hein. En fait, c'est même pas j'étais à gauche, c'est, j'étais collé. Hein. Ouais, sauf que dans la pyramide, voler c'est un peu compliqué. Quoi. Ouais, on est kiff-kiff niveau plat. Hein. 157-152, tu vois. Ouais. Ça, c'est parce que je suis assez collé à gauche. Parce qu'on a de la vie, bien sûr, on va de la vie. Quoi. Je suis sûr qu'on va avoir de la vie alors qu'en fait, on a pas besoin. On a bien géré. Ouais, je me suis pris une lance directe. Ah, il est là, le lancier. Là. Enfin, il y en a un. Oh, tiens, encore un. T'as encore pris un coup, là, ou c'est moi? Ouais, j'ai pris un coup. C'est bon, c'est tous morts. Bah attends, je vais aller au gigot. Y'a un gigot? Ouais. Ah, ouais, je l'ai laissé. D'accord, j'ai pas vu qu'il y avait un gigot en fait. Oh putain, j'ai pris une lance, tiens, juste au bout de moi. Allez, là, y'en a un qui est hors vidéo, hors caméra, pardon. Lance à gauche, non, ouais, à droite. C'est bon, je l'ai eu. Je croyais qu'il allait lancer. Ça va là? Ouais. Mince. C'est bon, surtout, mais. Il y a un autre qui arrive. C'est vachement peuplé comme cette pyramide, hein. Ouais, ouais. Ils sont censés être perdus, mais putain, il y en a des Romains hein, qui sont perdus. Les dégâts que ça fait, c'est vrai que c'est un défouloir. Ça fait du bien quand tu vois tous les petits légionnaires qui volent dans tous les sens avec toutes les molaires là. Ouais. Tu rêves que tu te sous pas trop en fait. Il y a 3 lions par contre. Bon, je peux pas prendre les lions. Je peux pas les prendre les lions. Ouais, attends. David. Bah oui, je sais bien. Il y a des petits lanciers de merde là que je peux pas choper là. Je crois que ça ferait joli, ouf, une pyramide. Les voix sont insuffisants pour nous sortir d'ici. Je crains fort que ce soit la fin de nos aventures par Belenos. Ça me fait de la peine pour Numéro Bis. Sans nous, il finira dans un crocodile. Oui, et notre vie aussi, peut-être. Passage. Moi, ça me fait rien. Non, ça me fait de la peine, pardon, pour mon pauvre Idéfix. Mon pauvre petit Idéfix. Pas vrai, Idéfix? Idéfix! Waf! Il nous a retrouvés grâce à son flair. Il peut donc retrouver notre chemin, son chemin, pardon, et nous aider à sortir. Il est fixe, si tu nous aides à sortir d'ici, tu auras un très gros os dehors. Waf waf waf. Mission accomplie par Belenos. C'est quand même un peu chaud. Miam miam. Mais ça passe. T'avais plus de points que moi là, bravo. Pour une fois. Ouais, bah j'ai commencé à faire, tu sais, la tornade là. Enfin le... Comme le... Comme l'allemand là. Tac 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 tac. Ouais. Ouais, c'est pas mal ça. Donc on a réussi à sortir. Ça c'est bien. Et il nous reste, le sentier est encerclé de légionnaires romains, il ne laisse pas entrer nos ouvriers. Au nom de César, nous avons appris que des dissidents gaulois se cachent dans ce chantier. Nous leur donnons l'ordre de se rendre, faute de quoi nous attaquerons. Nous sommes ici par la volonté de Cléopâtre et nous partirons que la force des bêtes. Non, nous partirons qu'une fois le travail terminé par Toutatis. Vous le regretterez par Jupiter. Attends, par la volonté de Cléopâtre,
Bah oui, c'est Cléopâtre en fait, exact. Non. En fait, c'est Cléopâtre qui a demandé le chantier. Oui. Ouais. Mais elle va pas amener des Romains pour retarder le chantier vu qu'elle veut qu'il non. soit... c'est fait... César. C'est César qui le fait. Oui. Mais là, le centurion a dit qu'ils étaient là par la volonté de Cléopâtre. Non, c'est Astérix qu'il a dit. Nous sommes là par la volonté de Cléopâtre. Et il a dit par César. Je sais pas s'il a dit par l'ancien. Putain. Silence, on tourne. Ça baffe. Silence, on baffe aussi. On s'entend plus baffer les gens, là. Ils viennent 3 par 3, ils viennent juste 3 par 3 juste pour nous emmerder. Ouais, c'est chiant. Et là, ça. Le terrain d'avis est super grand. Ils ont changé le décor clairement, là, on est plus large qu'avant. Ah, non, la distance, c'est. Oh putain, l'ancienne merde. Putain, je l'ai vu jeter une lance sur toi. Putain, j'ai pris un coup de. Viens par là, putain, mais je prends des coups là. Voilà, c'est bon. Là, par contre, tu vois, le fait de sprinter aussi, ça marche plus. Parce que du coup, on a trop de terrain à faire, trop de parcours. Là, t'as fait le coup de la baffe à droite et à gauche là. Ouais. Ouais, ça marche bien ça. J'essaye d'en attraper un et. Ah, tu vois, quand il y a plus de surface, c'est plus emmerdant. Non, mais c'est bien qu'ils alternent aussi un petit peu, tu vois, pour qu'on ait plus de. Je veux dire plus de plaisir, mais c'est pas ça le. C'est pas ce que je voulais dire. On a aussi plus aussi de plaisir, plus mais de... c'est plus varié quoi. Parce que du coup, le jeu est pas très Newton en fait. Hein. Enfin, c'est toujours tapé, ça on est d'accord, mais par contre, tu vois, ils alternent. Ils... Oui. Mettre okay. plus ou moins de lanciers. Voilà. On le jette le lancier là. Par ici. Laisse-moi le jeter le lancier. Ah non. Je l'éclate le lancier. Alors les gros je te les laisse parce que je pense que tu as envie de les taper les gros. Tu me laisses ou pas du coup? Non, j'ai fait des pics, y'a plus que ça. Y'a plus que ça. Je suis trop faible. Ah oui, c'est peut-être. Ouais, bah moi je vais jusqu'au bout, hein. Jusqu'à ce que le bonhomme il s'envole, hein. Bon, le nombre de fois où j'ai plus d'énergie, je compte plus. Attends, je débute ton chien, mais j'arrive pas à le choper. Voilà, c'est bon. Il est parti. Ok. Ah, je l'ai lancier. Il y a des lanciers comme ça. Donc, voilà. Il y a des petits gros aussi maintenant, viens. Il y a que des balèzes maintenant, il y a que des balèzes. Ah ça. Ok, lancier terminé. C'est ça, c'est pour ça que j'arrête maintenant, parce que là, que des balèzes. Je donne des coups spéciaux, hein, je donne des coups forts normalement pour les viewers. Hein. Et pourtant, ils sont tellement nombreux que bah, ils sont tellement costauds, ils ont tellement des sacs à payer aussi, c'est là. Il est fort hein, quand même ce décurion, là. Je crois que c'est un décurion. Ouais. Ça m'a l'air un peu trop calme. Il en reste un peu là. Finissons. C'est calme. Finissons une bonne fois pour toutes. Trop voilà. Calme. Et c'est fini. D'accord, ok. Donc là, ils nous disent que clairement, il y a des Romains. Et ils disent, ok, c'est fini. Blocus, c'est bouche cousue. Et t'as vu, il y a les points. Des fois, on arrive à 200, des fois, on arrive à 70. Ça veut dire, en fait, qu'il y a 3 fois moins d'ennemis. Ouais. Bon, bravo. On va poursuivre. Hein. Mission 5-6, pardon. Chic, les revoilà. Les Romains, j'imagine. Allez, boum. T'as chopé. Voilà. 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 Ah, j'ai réussi à me prendre une lance, là, dès le début, là, mais putain. C'est bizarre, parce que, ouais, des fois... Enfin, c'est bizarre, non, c'est pas bizarre, en fait, je sais qu'ils le font. Mais il y a des fois, ils tapent de 10 secondes, des fois, ils tapent directement. Là. Attends, j'ai tout sur toi, au passage. Voilà. Voilà. Vas-y. Voilà, un sac là, toujours plus après, moi j'arrive en courant là, en général ça fait des dégâts. Putain, il y a des lances là, attends. Voilà, je les jette tous à gauche, hein. Vas-y, là à gauche là. Voilà. Attends, lui je le jette aussi, voilà. Lui aussi là, ouais, non c'est bon, plus de là, c'est bon. Il y avait personne autour, mais ça me faisait plaisir. Voilà. Wow. Oula, il y a des dégâts là. Ça ouh. C'est good. Oula là, là ça fait mal. Ah, y a un tas de légionnaires. Oh, putain, bon, on a pris deux coups. T'as vu les coups là? Putain, mais y avait un lancier juste là. Ouais. Putain, là, les dégâts. Oh, t'as encore un lancier, fais gaffe. Tu l'as été touché ou pas? Ouais. Non, c'est bon. Ouais, c'est bon, y'a plus personne, je crois. Y'a plus personne dans le tas, tu sais. Ça va? Hey.
Bon voyage. Moi, je m'ennuie pour l'instant. Oh, regarde Astérix des Romains. Tiens donc, c'est étonnant. On s'y attendait pas du tout qu'il y ait des Romains ici. J'ai pris un coup au passage. Hein. Ma vie est pas excellente, hein. Je sais pas, la tienne. Moi non plus. Mais on a, là, on a pas rien, que... on a rien eu. Ouais. Hein. C'était ça, tu vois, c'est comme ça qu'ils alternent les niveaux, tu vois, ils mettent des niveaux où il n'y a pas de vie, ils mettent des niveaux plus ou moins près, dans les pyramides. Du coup, ça change un peu, mais c'est vrai que bon, ça reste toujours un petit peu le même genre. Mais voilà, ça va. À ce niveau-là, je pense que pour un Meet'em Up ou un Meet'em All, je sais pas lequel des niveaux, je peux dire. C'est moi, lui. Et ben, je trouve que c'est plutôt varié. Ça, ça se tient, disons. Voilà. Ça va ? Là, je l'ai bien calé, ouais. J'ai plus trop de vie, mais dès qu'on aura un gibot, ça ira mieux. Oh putain, j'ai pris une lance. Attends, il est lancé là. Il est lancé. Il est lancé. Attends, je vais déjà à droite. Voilà. Pareil. Ah, c'est mon déjà qui est mort. Il a fait une chute encore une lance à la tronche. Je l'ai vu là, lever sa lance là. Les mecs arrivés, ils avaient pas de chance. On était sur la lancée, ils ont pas dû comprendre. La moitié des balèzes. Il est balèze. Oh putain, j'ai pris un coup. Ma vie, je suis assommé en plus. Attends, on est mal tous les deux, on est très très mal tous les deux là. J'espère que c'est soit la fin, soit un gigot. Gigot, gigot. Ouais, mais regarde, même un gigot, on est mal tous les deux. Gigot, gigot, gigot. J'imagine qu'il y a un gigot, quoi. Ah, y'a rien, putain. Oh putain, y'a rien. On va se faire attaquer comme ça. Bon, on va faire gaffe, hein. Allez, vas-y, c'est parti. Bah, tiens, vas-y, bouffe-le. Allez, tant pis, hein. je vais essayer de... Non, c'est les lances, moi je fonce dessus, donc en fait c'est toi qui va les prendre les lances, j'imagine. Ouais, c'est possible. Je vais te laisser les gros. Je suis les renvoie. Voilà. Ouais. Je vais prendre encore un coup, tu vas me dire, mais ils viennent tous vers moi en fait. C'est ça qui est bizarre, ouais. Je les vois tous à la gauche là, pourquoi? Ah, parce qu'il y a des lanciers, il y a des lanciers, fais gaffe. Ouais. Non, je te les jette. Ok. Oh putain, je me le coup, oh putain. Je bouge. Là, je suis là. C'est bon, je les jette tous. Putain, j'ai rempli de vie. Impeccable. T'as fait gaffe, c'est le dernier qui peut me blader. Hein. Le dernier. Putain, y'a rien, c'est la misère. Et j'ai vraiment plus de vie, je suis dans la merde. Oh putain, je suis dans la merde. Attends, il est des deux côtés. Tout ça, va à gauche maintenant, ouais. Voilà, va dans le tas. Voilà. Et moi j'en jette. Oh putain, j'ai pris un coup encore. Attends, il y a des lanciers. Voilà, je lance dans le tas. Envoie tout. Tout ce qui déborde, voilà, c'est bon, vas-y, termine les parce que là je suis vraiment dans la merde. Putain. Quand ils sont bien rangés comme ça. Ouais, attends, fais gaffe parce que là du coup c'est de l'autre côté. Putain, il y a des lanciers là, de mon côté. Oh putain. Je vais m'attaquer. Putain, j'ai le stress, là. Franchement, quand t'as plus de vie comme ça, c'est une horreur. Même si je sais que je prends pas beaucoup de coups, en fait, il y a des lances à convoler là, j'ai vu. Putain, je vais lancer un lancier. Tiens, il y a un autre qui arrive vers moi, mais. Je crois qu'ils savent en fait que j'ai plus de vie. C'est pour ça qu'ils ils foncent vers moi. Putain, je suis dans la merde. Putain, il y en a qui essaie de me filer un coup de lance, je l'ai vu. Putain, faut vraiment un truc là. Il y en a qui est là encore. Ah, c'est bon, nickel. Ah, vas-y, s'il vous plaît, juste un gigot là, parce que je peux plus là, moi. Ouais. Oh putain, vas-y, un gigot. Tu ne sois pas le manger, hein. Non. Oh putain, gigot. Ah, oh putain. Gigot, mais t'as vu, ça remonte qu'à la moitié de ma vie, hein. Bah oui, t'étais à zéro. Bah, j'étais vraiment à zéro là. Encore Ah bah, tiens, vas-y, prends le deuxième aussi. Ouais, du coup, ouais, c'est bien. Nickel. Il lance. J'ai tout. Oh putain, j'ai pris un. Oh putain, deux POC. Voilà. Bah, du coup, j'ai beaucoup moins de points que toi, t'as vu ? On va taper. Bah oui, tout le monde à droite là. Voilà. Ouais. Envoie tout à gauche. Ouais, je fais ça. Je fais blocus. À droite, hein. T'as droite parce que là il y a des lanciers. Ouais. C'est vrai qu'ils sont stackés, c'est beaucoup moins facile, hein.
Enfin, c'est beaucoup moins facile pour eux de nous mettre une branle, les joueurs. Bah ouais, ils se prennent tous les baffes. Ça va, ça va, on s'est bien là. Un niveau vie, ça va. Non, putain, il y a des lions dedans. Alors les lions, on peut rien faire. Enfin, on peut pas les balancer. C'est bon, lui, il est mort. Ouais. Nickel. Nickel, il est mort. Aïe, j'ai pris un coup de lion. Ouais, je crois qu'il y a un lion qui est mort. Deux lions sont morts là. Ouais, lui il va pas tarder non plus. C'est bon, nickel. Ah, par contre, c'est toi qui es mal maintenant. Bon, je pense qu'on va retrouver des, voilà, des bidons. Et là, il va y avoir un gigot, j'espère. Putain, y'a rien, fait chier. Tu vois, là, on fait beaucoup plus de points. L'épisode, enfin, l'épisode, le level, pardon, il dure beaucoup plus longtemps. Mm. Bon, là, j'espère qu'il y en a un dans les deux, quand même. Hein, ouais, c'est bon, nickel. Ah, tu peux le prendre, hein, c'est bon. Attention, il y a deux lanciers. Droite, gauche. Il y a un lancier qui se met à côté de moi, c'est imbécile. Comme s'il pensait essayer d'échapper t'échapper à toi en fait en se mettant à côté de moi, c'est un lancier. Non, mais c'est qu'il s'éloigne pour lancer en fait. Mais je sais. Mais quel con, il se met à côté de moi. C'est là où il est con. Attends, prends l'autre côté. Ouais. Putain. Ouais, là c'est bon, on va les pousser. Ouais, je touche de l'autre côté. Ouais, comme je fais là. Oh putain, mais il est gars. Impeccable. T'as plus de Sam. Ouais, je sais, c'est pour ça. Putain, ouais, il y a eu des coups là. Le problème c'est que là on a pas de vision, donc du coup on voit pas ce qui se passe non plus à droite. Ouais. Du coup on s'est rapproché, c'est très bizarre. Donc, tout le monde à gauche hein. Ok, tout le monde à gauche. J'ai eu un coup de boule. Mais c'est pas grave, c'est rien. Quand on a un autre, tu vois que je vais pouvoir jeter, voilà. Et les gros par contre je peux rien faire, mais ça le problème. Alors est-ce qu'il y a encore, un lancier? Ouais, il y a encore un lancier en haut là. Faut le latter avant que. Voilà, il nous emmerde. Putain la vache, c'est comme 6 km là. Putain, j'ai fait un POC là, merde! J'aime pas les coups spéciaux là, moi c'est que toupie. J'arrive pas à faire avant plus frapper. Enfin, si j'arrive à le faire, mais c'est rare en fait. Non, c'est ça qui l'a tout plus. Parce que fait, il faut appuyer sur le bouton droite ou le bouton gauche un tout petit peu avant et juste tu mets un tout petit coup sur le Y. Voilà, on se reprend, tout est revenu dans l'ordre, du coup on peut avancer. Et d'ailleurs, on a beaucoup de points. Oh putain, c'est quoi ça? Salut toi! C'est qui celui-là? Chaussette russe. Je l'ai jamais vu celui-là dans l'univers de d'Assaix. Enfin, il me tient rien. Putain. Oh putain. Oh bah, attends, va falloir. Attends, mais il me cogne et je peux rien faire du coup. Et c'est n'importe quoi. Bah, qu'est-ce que toi. Non, mais j'étais. Laisse-moi le taper. Bah, faut le taper, putain, faut reculer de temps en temps. C'est ce que je fais. Bah, je me fais déglinguer là. Hein. Ouais, non, mais va taper les autres, je m'occupe de lui. Voilà. On fait des petits sauts, tu vois. Attends, je sais pas ce que t'as fait un truc bien par contre. Je vais lancer dessus. Contre, y a des lanciers. Des lanciers, évidemment, pour le. Putain, ils font sur moi. Je sais pas pourquoi ils m'ont vu à moi, mais c'est pas grave. Hein. Non, mais là, c'est le boss final, là, on a terminé le jeu, c'est pas possible. Putain, y a des lanciers, gaffe, ouais, fais gaffe. Ah, par contre, t'as plus de vie, j'ai pas vu, mais t'as plus de vie en fait. Ah oui, j'ai plus de vie depuis 3 minutes. Ah bah, c'est bon, c'est terminé. Je me suis pris un coup du gros. Voilà. Ouais, alors c'est super complexe là quand même cette histoire là de balèze là. Va falloir que. Alors par contre, j'ai pas compris comment tu pouvais pas bouger en fait. Bah, j'étais assommé. J'étais assommé et en fait, juste c'était le temps pour qu'il remette un coup et qu'il me réassomme. En fait, faut le taper quand tu vois qu'il lève la main, en fait, faut se casser quoi. Bah, c'est ce que je fais. Du coup, je résistais, mais si t'avais fait comme moi, je pense qu'on l'aurait bien allumé. Hein. Oui, non, et mais après, moi c'est au début, au tout début. Moi je suis allé pour le cogner, il m'a mis un coup. Et ouais, après, en fait, ben, t'es assommé le temps qu'ils remettent un coup, donc ça s'arrête plus. Ouais, j'entends, mais quand même quoi. Mais quand même quoi? Non, je pouvais rien faire. Va pas me dire c'est ma faute. Non, mais c'est, je sais pas que c'est ta faute, que je dis, mais quand même, c'est le jeu justement qui est un peu. J'ai conclu de ce côté-là. Mais bon, bref, maintenant tu sauras que dès qu'il lève la main, tu te casses. Ouais, je vais te laisser faire, je vais me démerder. Ouais. Bah, moi, je vais me faire les autres. Attends, moi, j'ai les autres aussi à faire. Hein. Je vais me faire les autres. Non, il faut qu'on le tape à deux, il n'y a pas moyen. Faut qu'on tape juste séparément chacun du tour. Voilà. Il n'y a plus de. Il n'y a plus de romains achetés là, merde. Voilà. Et ça qui est balèze, celui-là est balèze. Je pense que c'est le boss final, enfin, j'en sais rien en fait. Je dis ça, j'en sais rien parce que.
Il n'existe pas dans la BD celui-là. C'est là où c'est très bizarre. Ils ont rajouté un perso comme ça dans un jeu. Ouais, ou alors c'est des plus récents qu'on n'a pas eu. Moi, les problèmes, c'est des récents. Les derniers Astérix, pardon, je les lis tous depuis 20 ans, quoi. Ceux qui sortent au fur et à mesure. Et à aucun moment, j'ai vu celui-là. Enfin, en tout cas, ça me dit rien. Il me dit vraiment rien, quoi. Bon, on verra bien, de toute façon. Si vous savez, les vieux, bah, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ça m'intéresse grand monde, c'est leur vie, bien sûr. Il s'appelle Chaussette Russe, pour info. Il y a une bonne tête de chaussette de russe, déjà. Un coup à droite, un coup à gauche. Un coup à droite, non, parce que j'ai dit surtout. Putain, il m'a foutu deux piques. Putain, mais. Il m'enchaîne, je peux rien faire, mais oui. Mais qu'est-ce qui se passe là, Yuka? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui va pas. Ouais, il y a un truc qui va pas, t'as raison, ça m'énerve. Je sais, des fois il t'enchaîne, mais attention, POC. Ouais. Je l'ai pris. Désolé, alors c'est moi qui fais mal mon boulot aussi parce que je suis censé le jeter. Non, et le jeter comme ça. T'as vu, ils sont extrêmement nombreux là, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, ah, juste avant Chaussette Russe là, c'est putain, mais j'ai encore pris un coup là. Enfin, moi aussi j'ai pris des coups là. Ouais, ce niveau est super balèze, je pense. Alors j'imagine que c'est un niveau final parce que du coup il est balèze. Ah, y'a intérêt hein, parce que chaud. Bon, c'est bon, je crois qu'il est là. Je suis pressé, bah oui. J'ai besoin d'un peu d'énergie. Putain, y'a encore un. C'est bien, il faut garder toujours des tendres, enfin pas des gros en fait. Des tendres. Oui, parce qu'au cas on ait besoin d'en jeter en fait sur des balaises. Mm. Par contre là, tu vois, ça n'a pas plus de vie que ça, il faut absolument qu'on te régène ta vie. Il va y en avoir. Ouais. C'est juste que le niveau est assez long en fait, c'est ça le problème de ce niveau là. En fait, ils nous mettent un niveau assez long avec un boss au bout. Ouais, ça, c'est et un boss mal, de la mort. Ouais, à nouveau. C'est ça, ouais. Moi j'ai pas envie de refaire 10 fois la mission parce que le temps d'apprendre la méta du. Bah c'est ça, bah, c'est pareil, c'est ça qui m'emmerde en fait. Le fait de le refaire pour tuer le boss c'est pas un problème. Le fait de faire tout le niveau d'avant, pourquoi ça m'embête grandement. Ah, on reste. Je les jette. Voilà. Ouais, vas-y. Ah, prends des coups, mais tu prends pas il, mais oui, il a fait son truc de ninja là. Et ça m'énerve. Hein. J'ai jamais pris de tour de ninja là. Attends, je vais faire pour toi. Oh, t'as des lances. C'est bon. Je les ai pris des lances. Non, c'est bon. Je les ai vus arriver sur ma gueule, j'ai rien pris en dégâts, donc je sais pas pourquoi, mais. Sur la chaise. Ah, tu l'as échappé au milieu. Putain, il t'a mis un coup en plus. Il a profité pour te mettre un coup juste derrière. Mais oui. T'as rendu mal tous les deux, regarde ça, c'est abusé quoi. C'est abusé quoi. T'as, franchement, il y a des niveaux et ils nous mettent un boss à super balèze au bout quoi. Avec des lanciers, tu vois, la totale en fait. Astérix, ouais. Y a du monde. Allez, attends, je jette les lanciers vers la gauche. Hein. Vas-y. Vers la gauche. Voilà. Tous ceux qui arrivent d'ailleurs aussi, je les jette au final. Je maintiens à terre. Voilà, les lanciers qui essaient de s'échapper là pour essayer de te tirer dessus là derrière. Là. Ils sont assommés, mais c'est pas grave, j'en profite quand même pour les jeter. T'as vu, attention, ils se relèvent. Voilà. Ah, c'est fait. Ah. Je suis à droite maintenant. Vas-y, j'avais compris. Voilà. Ah, ça fait des gars. Putain, que des lanciers. Ouh, ceux-là, ça. Ah, ils vont rester là. On jette à gauche, il y a du monde à gauche. Voilà. Ah, tous ceux qui dépassent, là, tiens, j'ai acheté l'armée. T'as vraiment, il est gros, je peux rien faire. Voilà, ceux-là, je peux rien faire. J'ai la tête à la main. Putain, t'as mis un coup. Ta vie. Putain, ta vie est dans la merde. C'est bien, mais j'ai pas le temps de prendre le lancier pour l'éclater. Que. Il me mette un coup. C'est les petits vicelards de petits gros là. Ouais, je sais. Discretos. Pourtant, t'as deux fois plus de points que moi. Hein. Bah, c'est vrai que t'en as deux fois plus. En même temps, ceci dit, je te les jette tous, donc c'est pas étonnant. Ah, le gigot est pour toi. Ouais. Bon, le problème, c'est que ça te remonte pas énormément quoi. Et hein, si on a le boss maintenant, il y a un sphinx. Oui, avec le nez cassé. Ouais, et il est tout petit le sphinx par contre. Ah. Bah tiens, c'est pour toi. Ouais, bah il est pas encore maintenant. On sait jamais. Ah, il m'a remis un truc là, je comprends pas. Ils sont devant là, ils devraient pas pouvoir mettre de coups. Hein. T'as encore un coup. Ouais, c'est de lance.
Et tu vois, là, du coup, c'est toi qui es mal, c'est toi qui va prendre le gibier. Prends le. Tiens, prends le. Vas-y, prends, va le prendre, le truc. Avant de crever, parce que là, tu vas crever. T'inquiète. T'es là, je me suis pris un coup alors. Putain. Ils sont tellement nombreux. Vas-y, prends le gibier, voilà. Nickel. Je te les jette. Oh putain, mais je me suis pris un coup encore là du petit gros là qui s'est arrêté juste devant moi, tu sais. Il est arrivé sur moi, il s'est arrêté juste devant et puis pouf, il a mis un coup. Mais oui, il y en a dans tous les sens, on n'arrive pas à les mettre d'un côté là. Ah mais j'ai tout à droite moi. Là à droite hein. Ah là, un loup qui est à droite là. Ah du coup, je vais. Mais je suis un peu plus à droite moi. Vas-y. Putain, il y en a un autre qui arrive. Oui, mais ils sont chiants parce qu'ils veulent absolument te contourner là. Il y a un balèze que je vais taper là. Regarde, ils sont tout le temps en train d'aller derrière. Ah bah moi je fais. C'est chiant. Ouais, j'ai vu que c'est. Celui-là il est chiant. Ouais, on les jette à droite, allez, à gauche pardon. Je suis bien à gauche. Ils essayent quoi là? De mettre de la stratégie dans un jeu de où on fait juste mettre des baffes? Non, mais c'est n'importe quoi. Non, c'est normal. Il y a un peu de. Dans tous les jeux comme ça de. Beat them all là, comme tu dis. Pour moi c'est beat them up, c'est pas grave, je comprends. Putain, j'ai crevé, j'ai plus de chien. Et là on va s'appeler le boss. Juste maintenant. Tu vois, ça va être ça. Non, il y a comme un gigot avant quand même. Ah ouais, tu vas avoir un gigot, puis c'est tout. Même non, mais pas. Moi je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il y a un gigot. Enfin, le boss comme ça, quoi. Sans vie. Ouais, ouais. Non, attends, à mon avis, il y en a un dans les deux, quand même. Et il y en a un en haut, là. Je crois qu'il y en a un en haut. Il serait, il y en a un en haut. Voilà. Alors, vas-y, j'ai que de lancer. Oh putain. Par contre, là j'ai rien chopé, donc là fais gaffe parce que là il va tomber sur la gueule. Ah, c'est bon, nickel. Non. C'est dedans. Ah, j'ai mis un coup de fond, c'est. Non, vois rien. Là, je me prends des coups, je vois rien, quoi, c'est ça le problème. Mais oui, et puis ils sortent de l'écran là. Putain. Ouais. J'étais encore dans le tas, rien à foutre. Il y a des lances, ouais, ce que j'allais dire. Putain, il y en a un qui m'a fait un coup. Putain, mais voilà. Voilà, c'est bon. Après, là, ça, on peut rien faire contre tout cela. Putain, ils sont tellement nombreux, putain, mais après, on a le boss après ça, quoi. Là, on a plus de vie. Ouais. C'est sûr, on a plus de vie. Ouais, bah on va être obligé de refaire à l'ancienne, là, juste on triche en fait, juste on fait ça. Il est obligé. Oh, putain, y'a que des balaises, alors ça, évite que des balaises, ils sont fous. Le niveau est super dur, quoi. C'est vraiment ça, mais alors, d'ennemis qui est sur ma gueule, quoi. Putain, c'est abusé, quoi, tu veux qu'on fasse quoi? Y'a que des gros, on peut même pas les lancer. On sprinter. Fais ça, tu sprintes. Tu mets. Ah, tu coup, même pas, j'ai pris un coup alors que j'étais en train de sprinter, non mais sérieux. C'est bon, il n'y a plus grand chose. T'as un nombre d'ennemis que ça a fait quoi. Mais c'est putain, t'as 306 000. Putain, sans déconner. C'est pire que tout à l'heure, j'ai l'impression. Et là, on va sur un boss avec nos niveaux là. Il y a peut-être encore quand même un gigot là, mais. Ouais, il y a un gigot. Le problème, c'est que c'est pas encore fini, il n'y a pas encore le boss. Hein. Non. Ouais, il faut aussi qu'on perde vraiment pas de vie parce que peut-être t'as plus de vie en fait. Jamais en fait qu'on chope un gigot quand même avant de faire le boss quoi. Le problème, c'est qu'il va pas nous en donner. Hein. C'est clair et net, je te les jette tous hein. Fais gaffe. Allez, vas-y. Et des lanciers. Les lanciers que je jette tous sur toi pour éviter justement qu'ils te jettent des lances. Voilà. Y'a rien qui va sur la gauche, hein. Donc vas-y, lâche-les hein, parce que là. Voilà, c'est bon. Voilà, un petit coup dans le tas, c'est bon là, ils crèvent tous. Attends, il y en a ça. Ça, là, on a bien géré là. Attends, y'a encore des lanciers, fais gaffe. C'est bon, c'est pas sur toi, c'est pas sur toi. C'est pas sur toi. Okay. Ah, je te les jette tous. Y'a un balèze de mon côté. Ok. Après c'est un balai, c'est pas mal. Dénoncier. Dénoncier qui déjà deux dessus. Ouais, c'est bon. Allez, retourne à droite. Ouais, parce que là ça va être tendu. Oh putain, j'ai pris un coup, mais c'est pas grave, c'est rien. Ah oui, ça devient tendax parce qu'on n'a pas encore le boss et qu'on est mort. On est mort. Bah, je sais, parce que j'aimerais bien, c'est qu'en fait on est un petit gigot quand même avant le boss quoi. Et pas nous faire le coup donc de démarrer sans ça. Putain, j'ai pris un coup encore, putain, mais fuck quoi. Oh, c'est vrai que c'est le cauchemar. Hein. Oh, ça, alors le bordel qu'il y a, le nombre d'ennemis. T'as 306 000 points quoi. T'as 350 maintenant. Moi j'ai la moitié. Mais bon, ouais, c'est pas ça, le problème. Alors, j'ai, ma vie est en train de descendre. Hein. Donc en fait, même si t'arrives à choper un gigot, en fait, j'suis dans la merde. Hein. Putain, la vache. Et c'est pire que tout à l'heure ou c'est moi? C'est vraiment pire que tout à l'heure. Ouais, c'est pire que tout à l'heure. J'ai l'impression que ça a clairement monté parce qu'on était, pas à 500 000 points nous deux quoi. 500 000 bah points. Non. Et, ouais. On avait 200 000. Oh, putain, on a plus de points, t'as plus de vie, t'as plus rien quoi. Putain, ils nous mettent ça quoi. Alors je sais pas si les viewers vont pas faire une ellipse pour essayer de choper parce que
Ah, c'est moi qui vais le faire, laisse tomber. Laisse-moi qui le fais. Voilà, en fait, tant qu'il n'y a pas de tennis, faut profiter pour le taper. Attends, putain, j'ai pris une balle. Éloigne-toi, tu vas mourir. Moi, je peux y aller. Pas grave. Voilà, il faut sauter dessus. Il me cherche moi en plus, hein. Ouais, j'ai l'impression. Bah, il est le plus faible, évidemment, parce qu'il dit que c'est plus facile. Ouais. Putain, j'ai pris une baffe. Il y a une lance qui a volé. Putain, il y a tellement de personnes. C'est chaud. Le problème, c'est que j'aimerais bien taper avec un super coup, mais c'est pas évident. Ah, c'est nickel, tu l'as foutu par terre. Ah, c'est bien ce que tu fais là. Putain, il a fini de taper. T'as une lance. Raté. Putain, je sais rien en fait, Je suis où là? Je suis où là? Putain, je vois rien. J'ai mes super coups dans sa gueule. Dans son slip. Ah putain, non. Oh, putain, on était bien là. Ouais, regarde, il y a quasiment plus rien à la vie qui lui reste. Les viewers, on va se faire une ellipse. Enfin, en fait, on va se faire une ellipse, je sais pas, en fait, on va reprendre jusqu'à ce qu'on y arrive, en fait, et puis on coupera les passages, évidemment, qui correspondent pas. Enfin, qui sont pas terribles. Allez, on la refait, tant pis, c'est 10 minutes à chaque fois, hein, c'est pas plus. Hein. C'est pas plus. On a l'impression que c'est plus, mais c'est que 10 minutes. Je te garantis, c'est que 10 minutes. Bon, t'es prêt? On y va? Ouais. Allez, c'est parti, bah, j'espère pour la dernière fois. Parce que les viewers, vous avez pas vu le nombre de fois on l'a fait. Non, c'est la quatrième, si j'ai pas bêtise, c'est ça. Et comme c'est super long, c'est super chiant. J'avoue que c'est Et là on y était, hein. Là on y était cette fois. C'était Tandax de chez Tandax, mais on y était. Là il restait plus que 5 blaireaux. Bon, c'est pas grave. Maintenant on a compris comment le latter au moins. Tiens, on fait la même. Ouais. Et puis voilà, c'est tout, hein. C'est le jeu. Allez, hein. C'est vrai que c'est Tandax. Et encore une fois, on va vérifier qu'on est bien en normal, les viewers, hein, d'accord. D'ailleurs, je sais pas si on peut regarder dans les options, c'est en normal. Si je fais pause maintenant, est-ce que ça t'inquiète ou pas? Attends, on attend la dernière phase. On attend la phase. Ouais, attends qu'il y ait une phase de avancée. Ouais. On va être sûr, parce que si c'est pas le cas, je sais pas si on peut le voir ou pas dans les options. Alors, on va les vérifier quand même. Parce qu'on a vraiment l'impression que le niveau a augmenté, quoi. Ou alors c'est juste ce niveau par rapport aux autres, hein, qui est ouais, mais là il y a mal équilibré. Il y a un sérieux gap quand même, d'ailleurs, mais t'as le nombre de points qu'on fait comparé aux autres niveaux. Il y a des niveaux, on a fait 30 000 points à nous deux. Là on en fait 500 000, quoi. C'est pas juste, tu vois. Et puis le pire, c'est que le niveau d'avant était cadeau. Ça, on a pas. Là, stop. Ok. Seconde. Regarde la difficulté. Ouais, toi, il y a que ça. Hein. On a recommencé, voilà, donc non, on saura pas. On saura pas, ouais. En fait, le niveau, il est forcément difficile, n'importe quelle difficulté que tu choisisses. Le top, t'as remarqué, est de 459 000, hein, quand même. Il y a un de nous deux qui a fait 459 000. C'est ça, c'est fort. C'est là où c'est super fort. Allez, on essaie d'être précis, là. Voilà, il faut jeter en fait, faut foncer dedans en fait, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Hein. Sauf bah, pour les archers. Moi je jette les archers, je cours en fait à droite et à gauche. Puis voilà, on va faire ça. Hein. Parce que c'est ceux-là qui sont pénibles, c'est les plus les archers. Putain, je veux bien quand ils me regardent depuis plus de 2 secondes, tu sais que tu vas te prendre un coup. Ouais. Enfin, ça c'était cool. J'aurais pu leur ramasser, tu vois, ils sont juste au-dessus. Quand ils sont juste au-dessus de toi, tu sais. Et toi, par contre, ils peuvent te donner un coup, toi. Toi, tu les chopes pas, mais ils te donnent un coup. Là. Ils s'éparpillent comme des dorifores, là. Comme des quoi, c'est quoi ça encore? Tu connais pas les dorifores? Non, c'est des. C'est des petites bêtes. Non, c'est des petites bêtes toutes rigolotes, mais. Comment ça, toutes rigolotes? C'est des. Quoi, ça? Toutes c'est rigolotes. Des coléoptères, c'est des insectes. Non, des dorifores. Bah écoute, les viewers, allez voir dorifores sur Wikipédia. C'est des petites bêtes qui marchent tout doucement, mais tu sais, qui s'éparpillent en groupe. Bah, quand elles sont en groupe, elles s'éparpillent. Là, on est pas mal. Moi, je suis bien. T'as des deux reports sur les patates. Encore une fois, c'est mieux qu'il y ait que toi qui prennes ou que moi qui prenne, mais pas les deux. Donc, ça va être en haut, c'est ça? Ouais. Voilà, stop. On prend pas maintenant, parce qu'on sait jamais que c'est moi qui descends, par exemple, ou que tu prennes d'autres dégâts. Donc là, là, on est bien, en fait. Là, on est bien. Non, mais ouais, la difficulté, elle a augmenté. Même les petites merdes, là, et ils sont plus... Ils essayent d'aller derrière, à tous les coups, là. Non, mais peut-être aussi parce qu'on a beaucoup plus d'espace, t'as remarqué? Putain, lui, là, le lancier, la con, là, qui essaye, effectivement, de se barrer.
Alors pour les viewers aussi, je rappelle hein, que voilà, les trois lanciers. Je rappelle que normalement la difficulté n'a pas changé. Précise. Et que d'habitude on fait plutôt 50 000 points. T'as un balèze. Ah, c'est bon. Voilà, là tu peux manger le steak, tu vois. Parfait. Presque utilisé à condition. Presque. Non, mais à force de le faire, on va finir par les avoir, frère. Voilà. Voilà, là, c'était sûr qu'ils allaient faire ça. Oh putain, après, je t'ai vu. Je vais en jeter parce que là, il y a, tu vois, des archers avant. Ouais, il y a. Voilà, comme ça, c'est, ça fait strike. Sinon, ils sont tous morts, ça. Bien joué, très bien joué. Tiens, on s'en sort, hein. Je pense que si, on commence peut-être à fatiguer aussi un peu. C'est qu'on enchaîne bien les vidéos là et entre la dernière vidéo et celle-là, moi je commence à être fatigué. Ce qui fait ouais, que pareil. Du coup. Non, puis là c'est 1h du matin. On a moins de réflexes, on a moins de réflexes. Bah, 1h du matin, tu m'étonnes aussi que c'est. Bon, faut quand même qu'on termine au moins ce pacte là, quand même, pour pas déconner. Alors j'imagine qu'il n'y aura pas deux niveaux identiques hein, à suivre. Balèze comme ça. Ouais, j'espère, hein, parce que si. Allez, l'ancien, j'ai pas réussi à aller te choper. Désolé. Ah, c'est pas grave, c'est. Par contre là, ça emmerde beaucoup parce que là, il y a des gros qu'on peut pas acheter. Moi je me coupe beaucoup là-dessus. Ah! T'as pris un coup? Faut jeter les petits sur les gros. Ouais, c'est ça, bah oui, je sais. Oh putain, j'ai pris un. Putain! Excusez-moi. Eh oui, t'essayes de le choper, t'y arrives pas, il te met un coup juste derrière. Hein. Faut vraiment être sur lui quoi pour le choper. C'est bon. Ah, tu vois, là on est pile pareil, là c'est pas bon du tout, là tu vois. Ouais, c'est pas bon. Ah, c'est pas grave, écoute, ça veut dire déjà qu'on est pas mauvais. Ça aurait pu être pire, on aurait pu être tous les deux à la moitié. Ça c'est pire. Mais on va retrouver de la vie je prends. Deux fois de suite. Ouais, je sais qu'il y en a d'autres après. Ouais. Non, c'est pas là, ouais, c'est là. Putain, j'ai pris un coup, sans déconner. Putain, foutez-moi la paix. Voilà, tous là-bas, tous à gauche. Tiens, le lancier là. Ah, le lancier, tu peux reculer. Tu peux reculer là, lui. Là, juste pour te mettre une petite lance dans la tronche. Oh bah allez, ça c'était cadeau. Ouais, ils ont pas dû comprendre ce qui leur arrivait. Hop là, les lanciers. Les petits gros, c'est le salopard aussi. Hein. C'est eux qui te mettent deux coups d'affilée là. C'est pas très fort, mais voilà, c'est deux coups quoi. Cartez-vous, je fonce. Oh putain. J'ai pris deux flèches d'affilée. Deux lances, pardon. Ah, ça va, non, c'était pas très fort, bizarrement. Je crois que quand t'es en train de foncer, tu te prends pas les lances. Oui, c'est ce que j'ai envie de me dire. Parce que plusieurs fois, en fait, je pensais prendre les lances parce que j'étais en plein milieu. Et ça compte ouais. Pas. Et du coup, je pense que ouais, l'astuce, c'est vraiment ouais, défoncer les lances. Ah bah, tu sais, c'est ce que je fais pour protéger. Moi, c'est je les lance et je les. Putain, du coup, ouais, franchement, ça m'a donné faim tout ça là. Ouais, c'est 1h du matin. Et du coup, je peux même pas commander une pizza ou un truc comme ça. C'est trop tard. Oh, fais gaffe aux lions, parce que là, les lions, je sais qu'on peut pas les. Ouais, j'ai vu, ouais. Peut-être pas que je prenne des dégâts parce que c'est toi qui vas prendre le gigot. Ouais, bah laisse-moi faire alors. Je crois que c'est bon, les a eu. Nickel. Allez, tu prends le gigot. Voilà, ça c'est bien. Là, bordel de cul. Le problème c'est que c'est tout toujours sur la fin en fait. Tout ce qu'on fait là c'est du remplissage. Bah oui. Parce que le niveau est juste indécemment long. En fait il faudrait juste faire, tu sais, une sauvegarde rapide avant le boss en fait. Bah oui c'est ça en fait. Mais d'habitude quand il y a un boss le niveau est pas trop dur avant. C'est la première fois en fait où c'est aussi long que ça. Ah si on le laisse là, c'est clair. Ouais ça va attaquer. Ah je te lance tous. Allez. Je suis concentré après. Fais des allers-retours, tu vois, en donnant des baffes. Bah, j'ai même plus. Tu vois, en plus, c'est toi qui cherches, c'est pas ce qu'ils. C'est toi qui fonce vers toi. Bah, en fait, je crois qu'ils ont leur cible en fait. Et c'est là en fait où l'erreur. C'est que du coup, si moi j'en chope un qui te cible, en fait, je risque rien. Tu vois, on voit bien qu'il recule pour toi, ouais. Tu vois. Ouais. Il recule pas pour moi, hein. C'est clair. Putain, il y a un roule. Ouais, on voit. Je suis dans la merde. Non, je suis de courir. Oh non, merde. Il nous laisse le temps. C'est juste qu'il faut pas se laisser surprendre par un blaireau là qui est discreto, c'est derrière toi. Et comme il y a tellement d'ennemis, qu'il y a forcément un moment où tu fais une erreur. Tu commences
c'est bon, la natie des gros là. Je vois, il est gros. Bordel, entre les cadavres et les gros là. Ouais, on sait plus, voilà, moi je sais plus où je suis là. Et je pue en fait s'il n'y a pas un mec qui va me taper dans mon dos, tu sais, discretos, pareil quoi. C'est ça le truc là, c'est, ils sont là et puis discrètement ils te tapent dans le dos, il y a tellement d'ennemis que tu peux pas tous les analyser pour savoir qui va te taper ou pas. Bon, c'est bon là. C'est bon. Le problème c'est que là on doit y aller, et, sauf que la notre vie elle va bouger quoi. Ouais, mais prends la vie. Ah, du coup on est super bien mais ouais mais parce que aussi on se débrouille peut-être mieux à force. Ça fait quand même trois fois qu'on le refait le niveau, voilà. C'est la quatrième fois donc ça fait trois fois qu'on le refait, effectivement. Attention à pas ramasser le steak sans faire exprès. Et profitons qu'il n'y ait personne là pour latter le lion tranquillement. Enfin le steak là, la bouffe. Voilà. Ouais. Profitons pour tuer le lion tranquille. T'envoies tout à gauche, les lanciers. Non, moi je cherche plus. Si, on voit à gauche. On voit à gauche. Ah bah oui, bah, là il y en a, il m'a lancé dessus. D'accord. Merci. Si, ça il faut que tu gardes la mécanique. Tout à gauche. Ouais. Là il en reste encore un. Allez, rouge. Ah c'est bon, il est mort. Là il en reste deux. Ouais, il y a que des lanciers qui arrivent. Merde, j'ai bouffé le steak. Oh, putain, j'ai bouffé le steak. Merde, la connerie. Oh la connerie. Ah, faut pas que tu perdes des vies. Faut pas que tu perdes des vies. C'est de ma faute. Il n'y a pas le droit, les rats. Ouais. On aura de perdre un bout de points, c'est pas grave, c'est pas ça qui va changer quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est très rare que ça joue un poil de cul sauf à la dernière partie. Je t'avais dit de faire gaffe, tu me dis ouais c'est bon t'inquiète pas, mais non mais ne prends pas le. Oui lui, mais c'est l'autre là, il se retourne, il me met un coup de boule, c'est un coup de l'univers, c'est. Ouais, j'ai tous à gauche, vas-y fonce dans le tas. Ouais, tous à droite, non, tous à droite. Allez vas-y. Ah putain, le meilleur coup. Putain, mais. Essaye de me remettre un deuxième coup. Allez, à gauche. Voilà. Putain, il me remet un coup là, putain. Putain, parce que j'ai raté. Regarde ça, ce coup de merde là. Il s'arrête juste avant. Il sait que tu vas le choper. Et là, qu'est-ce qu'il te fait? Il met deux coups dans ta gueule. Ah, j'ai plus de vie. J'ai pris deux coups, simplement deux coups de ce connard. Ben, ouais, ça aurait été cool que t'aies un gigot là. Deux combos. Ouais, mais là, c'est le boss maintenant. Ouais. Voilà. Bah oui, c'est le boss. Là, c'est le... Bon bah écoute, ouais. Eh, on va croiser les doigts pour que ça marche, hein. Écoute, j'essaie de perdre le moins de vie possible, comme on fait d'habitude. On profite qu'il y ait personne d'autre. Voilà, sans prendre des baffes. Non, il est dans moi. Oh. Putain, tout ça à cause du légionnaire, la con, c'est ça qui fait chier, quoi, la légionnaire de merde. Non, il m'a assommé. Oh putain, c'est beau ça. Ah, ma vie, elle est morte. J'ai déjà morflé. Ouais, c'est pas grave. Voilà, j'ai mis des petits coups si tu entends. Il y a un lancier qui est là. Ouais. Gaffe. Lancier qui est revenu aussi. Je saute dans tous les sens, mon garçon. J'attends pas. Et on va l'avoir. Et on est bien, on peut y croire là. C'est chaud, mais on va l'avoir. Non, attention, baf. Oh putain, j'ai pris un coup. Je suis parti, mais je suis encore vivant. C'est bon, il reste plus que le gros. Vas-y, on va se le faire quand même, il reste plus que le gros. Oh putain. C'était tendu. Oh putain que c'était tendu. Oh putain. Oh putain. Sa mère la pute. Oh putain, j'ai la goutte au fond là. Putain, les salauds, ils ont mis un niveau, mais tellement balèze quoi, putain. Alors pour vous les viewers, vous croyez qu'il s'est écoulé à peu près une petite heure depuis le début de l'acte. Pour nous, il y a 1h40 qui s'est passé. Et je vous garantis que c'est 1h40 de transpiration. Bon, victoire par Je crois qu'il va falloir que j'aille prendre une douche moi. Bon, c'est la fin de l'acte, hein. Attends, je sais pas. Peut-être qu'il y a un autre niveau, mais j'imagine que les niveaux sont pas forcément tous durs. Voilà, quelques jours plus tard au palais, je sens que c'est la fin. On va voir. Parce que là, ils me refont un truc comme ça, là, mais je... Voilà, le palais est terminé, tu vois, nous avons tenu les délais, donc j'imagine que ça va être la fin. Au pire, il y aura un niveau, tu sais, avec, et puis ce sera terminé, quoi. Quand le couvre d'or, c'est la fin. Quand le couvre d'or, c'est la fin, en général. Ouais. Ça, c'est vraiment la fin de la BD. Il y a encore un bout qui dépasse, là. Gaulois, vous avez été prodigieux et pour vous remercier, je vous offre de précieux manuscrits choisis dans la bibliothèque d'Alexandrie. Votre majesté est trop bonne, par Bélénos. Non, enfin, trop énorme, trop gentille, il voulait dire.
Non. Cela me semble bien peu pour l'aide que vous m'avez apportée. Je ne sais c'est comment douce. Vous remercier. Toujours à votre service, Sa Majesté. Et si un jour vous avez envie de construire autre chose en Égypte, un canal entre la mer Rouge et la Méditerranée, par exemple, bah voyons, eh bien faites appel à quelqu'un de chez nous, par Toutatis. C'était le cas, c'est construit par qui Voilà. Moi, je pense que c'est. Je sais pas, j'imagine que c'est un Français. S'ils font la référence, j'imagine que c'est. Ouais, c'est je pense, ouais. Bon, acte terminé, nous on se laisse ici. Allez, on se barre. Hein. On va pouvoir respirer un peu et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Allez, bye bye.